Hey, yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui, nouvel épisode de Nexomon, petit épisode de farm où on va faire évoluer quelques Nexomon qui étaient arrivés à la porte de l'évolution. Je suis toujours au niveau de la ville de la toundra gelée, je suis rentré dans ce bâtiment et on va essayer de récupérer cette quête, visiblement, que j'ai pas pris encore. Salutations Gizmo, ça fait plaisir de te voir ici. Tu as du temps pour un petit travail ? Oh, on est un peu occupé. D'accord, je te donne le travail. Tant que c'est une tâche facile, tu vas exorciser un esprit maléfique. Allez hop ! Il semblerait qu'il y ait un dangereux fantôme qui a attaqué les dresseurs dans une grotte à l'est. Ce spectre est assez puissant, d'après ce qu'on m'a dit. Tu dois être préparé. Vous savez que nous sommes des enfants. Tu es un chat et Gizmo, on peut pas cligner des yeux. Tout ira bien pour vous. Et Gizmo ne peut pas cligner des yeux. Ah, c'est parce que je suis un putain de PNJ, enfin un putain de... D'accord. Encore une fois, trouve une grotte à l'est, vainc le fantôme et sois payé. D'accord. Oh, récompense, une clé. D'accord, donc c'est peut-être la fameuse grotte tout au nord en réalité. Ça doit être ça, je crois. Bon, pourquoi pas. Du coup, est-ce que j'ai suffisamment combattu de voleurs? Tu as vaincu 6 voleurs. Ah, c'est pas mal du tout, Gizmo. Tu as certainement gagné la prime... pour ce travail. Merci. C'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix. Les voleurs des montagnes vont être beaucoup plus faciles à traverser, blablabla. D'accord, donc je suis plus emmerdé par les voleurs, là, du coup. Ok, c'est cool. Ça, c'est quand on ira à Lateria. Ça, c'est Incia. D'accord. Ok, ça c'est Lateria, ça c'est trop compliqué pour l'instant. Et ça c'est ce que je viens d'avoir. On peut aller faire ça, mais je sais pas si j'ai la bonne équipe en fait. Ça va être complexe. Ouais, ça va être complexe. On va essayer d'aller du côté de Incia. Et je vais aller accomplir la quête du maire. C'est par là. Réfléchissement, Jean-Pierre. Qu'on aille du côté de West d'Incia. Ouais, bah c'est là. West. Tac. Tac. Au passage, hein. C'est toujours ça de prix. Bonjour. Y a-t-il des volontaires? Ah, il y a un volontaire là-haut, visiblement. Tic tac tac, je récolte. Non! Fuck! Ah! Bonjour. Du coup, je vais te percer l'oignon, mon gars. Et oui, Roche, c'est fort contre feu, c'est bien connu. Allez, au revoir. Alors, petite évolution de Caprifeu. Siphon de feu, blablabla, on s'en bat les couilles. Alors, est-ce que je me rappelle, ces évolutions sont plutôt jolies. J'aime beaucoup hein, les Pokémon feu, les Nexomon feu dans ce jeu. Ouais, il est plutôt joli, son évolution est encore mieux. Et je sais que c'est justement son évolution... qui s'appelle Imbrion, un truc comme ça. Et c'est la fameuse quête avec le mec là. Qui a froid du côté de la toundra gelée, donc c'est même pas la peine d'espérer. Il évolue niveau 34. Nick. À voir. Clairement à voir, on verra bien. J'en attraperai peut-être un deuxième pour le faire évoluer en œuf et puis je remplirai la quête. On verra. Bonjour. Hey Gizmo, tu es occupé?
Tu veux me battre une nouvelle fois? Mais oui. Ah, je veux me battre une nouvelle fois. Mais oui. Tu sais, je dois être prêt pour combattre les tyrans un jour. Allez! Let's go. Oh, let's go. Oh! C'est l'évolution du crapaud de Tartare. Bon, bah du coup, on s'est fait spoiler. Ça, c'est chiant, par contre, qu'ils aient déjà des évolutions alors que c'est niveau que 25, en fait. Parce que du coup, ça spoil un peu les évolutions. C'est pas grave, mais bon. C'est pas un drame. Ouais, bon, elle, d'accord. Par contre, j'ai pas un poké haut, quelque part. Si, j'ai lui, mais il est un peu light. Bon, je vais essayer de me le faire. On verra bien. Ah, ça fait des dégâts, quand même, hein. Aïe, ouïe, aïe. Ok. Petit finish. Voilà, merci. La même. Oh, je suis faible. Fuck. Ouais. J'ai essayé de me le finir comme ça. Voilà. Putain, c'est con. J'ai plus de... J'ai plus de déter. Ça fait mal, ça, madame. Putain, lui, il tape dur. Putain, foiré. Ouais, c'est ça, tape feu, t'as raison. Faut dire que j'ai le statut faible, donc du coup, je dois prendre plus de dégâts. Ah ouais, clairement. J'espère que ça passe. Non. Si, c'est bon. Ok. Malabar qui va évoluer. Maintenant. On sait à quoi il ressemble. C'est pas ouf. Ah non, on sait pas à quoi il ressemble. Ah, waouh. Il est spécial. Non, désolé. Effectivement, on n'avait pas vu à quoi il ressemblait. Ah, c'est pas pire que ce que c'était avant. On va dire ça comme ça. Ça va. Ça va, ça va. Ah, je suis encore tellement faible. Oui. Clairement. Du coup... Du coup. Tiens, bois ça. Et ça. Voilà, parfait. Tac, tac, tac. Tac. Faudrait que je regarde quand même s'il n'y a pas le fameux... Ah, comment il s'appelle? Le fameux ancestral de la zone, parce que je ne l'ai pas encore, celui de feu. Allez, au revoir. Pasta Box qui va bientôt évoluer, hein, au passage. Oh. Ok. Non, on va continuer avec Rost, en vrai. Il est fort, Rost, hein, putain. Curieux de voir son évolution, perso. Attention, Pasta Box qui évolue. Je ne pense pas avoir déjà vu son évolution, ça me dit rien du tout. Ah! Bon, bah, il y a un truc dans lui. Est-ce que c'est son cerveau? Lol. C'est dégueulasse. Ok, c'est spécial, hein. Ouais. Ok, donc lui je l'ai déjà, je vais le défoncer, ça va faire de l'XP. Aïe, ça fait mal ça, madame. Ah putain, presque. Et gelons les couilles qui va bientôt évoluer normalement. Oh oui, attendez. Voilà, c'est ça que je dois faire. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Bon sang, je ne chasserai plus jamais de tyran. C'est de la folie. Tiens, tu peux garder ça. Je l'ai trouvé en venant ici. Ah, merci. Sympa. Et bonne chance maintenant. Je m'en vais de là. Vas-y, je bouge. Selon le rapport, il devrait y avoir d'autres dresseurs perdus. On doit continuer à chercher Gizmo. Faisons ça.
Je vais me régénérer un petit peu mes PV là, quand même. Ah bah elle fait la même chose. Petite perceuse encore. Oh les dégâts. Il est tellement fort ce... Elle est tellement forte cette attaque en vrai. Par contre ça coûte de l'énergie. Hein. Ouf. Évolution de gelon les couilles. Voilà. Donc on sait à quoi il ressemble. C'est l'espèce de grosse tentacule à la con là. Voilà. Donc c'est stylé sans être incroyable. C'est d'ailleurs... Ah non, l'autre c'est encore l'évolution du dessus. Ah bah je l'avais jamais vu celui-là. D'accord. Ok, parfait. Ouais. Ah. Tac, 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 tac. Ok. Ok. Et du coup, d'accord. Du coup, on va aller au sud. Ouais. Pas sûr qu'il y en ait ici, hein. Je suis un peu paumé, je vais pas vous le cacher. Tac. Il faut aussi que j'attrape un capri vite. Bonjour. Raté. Dans ta gueule. Rapide, mais tellement faible. Boum. Faudrait que je fasse aussi évoluer du coup Rust. Et gros sourcil au passage. Oh, elle est tellement belle la petite... ouais. Aïe, je suis démotivé, merde. Ah, ça fait chier ça. Puis il va me spammer la même attaque, donc du coup ça va se cumuler à chaque fois. Non, ça va. Au revoir. Ok. Alors pour l'instant, même en off, j'ai jamais, je suis jamais tombé sur un shiny. Apparemment, ça existe, hein, y en a dans le jeu, mais voilà quoi. Ok. Bonjour jeune homme. Hey Gizmo, qu'est-ce que tu fais de retour ici? Quelqu'un avec ton niveau de compétence devrait s'entraîner ailleurs. Cet endroit est pour les novices comme moi. Oh le mec, comment il se flagelle. Mais puisque tu es déjà là, que dirais-tu qu'on s'entraîne une nouvelle fois? Je me suis amélioré. Allez. Allez, let's go. Oh ah ouais, il s'est amélioré, effectivement, putain. Bah du coup, mange. Oh, il est invincible. Petit bâtard. D'accord. Allez. Oh, c'est l'évolution de du caillou. C'est spécial. Je suis en train de le ruiner là, le pauvre. Bon bah du coup on a vu l'évolution du caillou. Oh, c'est le... D'accord. Le fameux ancestral de roche, pas de glace, visiblement. Aïe. Oh, je fais tellement de dégâts. Bon, c'est toujours la même attaque, vous allez me dire. Mais c'est tellement efficace. Hop. Petit rush. Ok, donc lui, on l'a déjà vu. Je pense qu'il est temps de changer pour gelant les couilles. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais, mon jeune ami? Vague. Ouais, c'est pas ouf. On va prendre ça. Ouais, on va spammer ça. Même si c'est pas une attaque très très rapide. Je l'ai gelé. Donc j'ai gagné. Ouais, c'est plus une vaguelette qu'une vague, mais bon. Putain, j'ai de la chance, il est gelé à l'infini. Allez hop.
Ok. Tac, tac. Ok, bon, toi, je vais te ruiner rapidement. Ah merde, j'étais fatigué. Aïe. Ok, je l'ai one shot. Y a personne ici que je peux réchauffer. Oh, il y a un ennemi là-bas. Je l'ai jamais vu. Attendez. Non. Je vais quand même me régénérer un peu là parce que j'ai pris un peu cher. Voilà. Et je vais aller combattre cet homme mystérieux que j'ai jamais dû voir. Ah non, visiblement non. Ah, le héros d'Incia, Gizmo, je t'ai vu là-bas. J'allais totalement sauver la cité moi-même. Mais mon costume est trop lourd et tu es arrivé plus tôt. Oh, allô, t'es. Dis, qu'est-ce qu'une célébrité comme toi pourrait me montrer la force qui a vaincu Jin et son tyran? Allons-y. Oh. Je lui ai roulé dessus avec son fort torque. Putain. Fort torque. Aou. Et ça m'envoie des boulets. Oh, c'est l'évolution du chef. Putain, sympa. Putain, avec la spatule, quoi. Pas mal. Oh, ça tape dur. Et il le laisse à 5 PV, l'enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Petite pierre. Ouais, ça servait pas à grand chose. Oh la vache, il est trop beau. Non mais lui, il est trop beau, putain. Je vais me faire défoncer, vite. Oui. Zblé. Ok. Oh la vache, il est rapide. Ou c'est moi qui est lent, plutôt. Ah, on a la même vitesse, visiblement. Oh, c'est lui. Le fameux tyran de... Enfin, pas le tyran, le fameux ancestral de feu, je crois. Oh la vache, il tape dur, cet enfoiré. Il est gelé, bien fait pour sa gueule. Vite, torrent ou vaguelette? Torrent. Ça fait plus mal. Quoi, mais il était gelé. Culeman. Putain, culeman, quoi. Vite, gros sourcil, j'ai besoin d'aide, là. Ok, je vais le foudroyer, ce bâtard. Aïe. Boum. Oh, la vache, tellement fort. Gros sourcil, tellement fort. Faut dire que je suis niveau 30. Objet. On va raise quand même lui pour qu'il prenne les niveaux qui vont bien. Ah, et lui, il est trop fort. Il tape tellement dur. Mais moi aussi. Et en plus, j'esquive. Comme ça, au moins, voilà. Parfait. Ah, ça prend du niveau, là. Quoi? Croix de feu. Ouh, ça a l'air violent. 40% de critique. Ok. 40% de critique. 40 de vitesse, hein, c'est pas très rapide. Mais clairement, à la place de martèlement... ouais. Ou à la place de... augmente de 15% les bleus. Ouais, parce que martèlement ça rend confus quand même. Bon. Oh oh, je suppose que les rumeurs étaient vraies après tout. Tu n'es pas quelqu'un qui... à qui il faut chercher des ennuis, c'est sûr. Bien joué, Gizmo. Alors rien, ouais, je sais. Ouais. Je sais, je sais. Bon là du coup je suis un peu en PLS mais... Merde, alors du coup il faut que je remonte vers le... Ah, il faut que j'aille peut-être par là. J'y suis peut-être jamais allé d'ailleurs.
Vite! Bonjour, jeune homme. Bla 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 bla. Ta gueule. Du coup, le Capri. Le Capri cher. Tac. Malabar. Tac. Gelons les couilles. Tac. Et la pasta box. Tac. Ouais. Du coup, toi, viens là. Toi, viens là. Toi, là. Et j'aimerais faire monter Volt. On va voir à quoi il ressemble. Et du coup, faut que je me rééquipe un peu. On va remettre deux. Voilà. Après, peu importe, on s'en fout. La petite araignée, pareil. Je vais en mettre un. Là. La flamèche. J'en mets deux d'un coup. Tac. Et le caillou. Lui, tac. Bon, lui, on sait à quoi il va ressembler. C'est pas incroyable, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hop, et hop, terminé. Donc là, on va aller à l'est. À l'est ou au nord? Ah, mais j'y suis jamais allé ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Tellement de choses. Bon. Bonjour. Attrape ta pioche et va extraire. Allez. La guilde a besoin d'autant d'éclats que tu peux obtenir. On te les achètera. Ouais. D'accord, si tu veux. Retourne au travail maintenant. Si on ne se dépêche pas, ça sera la fin d'Incia pour sûr. On est en guerre. On est en guerre. Ouais, putain, il est déter, lui. Bonjour. Ok, il y a un homme en scaphandre. Qui a l'air vénère aussi. Il y a plein de Nexomon de type feu dans le coin. Non. Tu crois? Oui, c'est un volcan. Ce que je veux dire, c'est que les températures de cette région montent en flèche à cause d'eux. Oui, c'est un volcan. Je vais te dire, si tu peux détruire la population de Nexomon de feu, je te donnerai une récompense sympa. Et par réduire, je veux dire capturer. Je ne pense pas avoir besoin de clarifier cela. Viens me voir quand tu posséderas genre, je sais pas, 8 Nexomon de type feu. C'est ainsi que je saurai si tu as fait ton travail. Mais il faut qu'il soit dans mon inventaire du coup. Tu as attrapé des Nexomon de type feu? Voyons, tu possèdes 11. Ah bah voilà, parfait. Incroyable, blablabla, bla bla, travail du juin. Ok, bon ça c'était pas trop dur. Grâce à toi, la chaleur va disparaître. Oui, c'est un volcan. Connard. Bon. On va poursuivre. D'accord. Toc toc. Ah, c'est verrouillé. Bon, lui, je vais pas y parler. Toc toc toc. Ah, bonjour. En fait, bonjour. Ok. Je prends un truc qu'il y a là-dedans, hein, d'accord? Vous m'en voulez pas, hein. Au revoir. Putain. Le mec qui rentre, il prend, il se casse. Oui. Bonjour. Maintenant que le tyran Mulsimer a été vaincu, les provisions commencent enfin à revenir. Mais les potions de haute qualité sont encore rares. Tu en as que je pourrais t'acheter? Ah putain. J'ai pas d'ultra potion et d'ultra éther? Non. Putain, mais quelle arnaque! Bon bah il faut que j'aille chercher ça.
Où est-ce que je vais? En bas? Allô? Bonjour. Ok, y a rien. Tac. Tac tac. Oh! D'accord. Mon ami aux îles Drake est un artisan de Nexotrap. Il m'a demandé de venir ici pour acheter un tas d'éclats pour lui. Si tu en as dont tu n'as pas besoin, je serais ravi de t'offrir des Nexotrap. Oui. Putain, il me dépouille de mes éclats, les enfoirés, mais c'est fait pour. Merci Gizmo, si jamais tu es aux îles Drake, assure-toi d'aller voir Milo. C'est le meilleur artisan de Nexotrap de tous les temps. D'accord. J'y penserai. Utiliser une pioche, hein, bonjour, si tu vois un rocher brillant. Non. Putain, incroyable. Merci du conseil. Je peux aller en haut, je peux aller en bas. Allons en bas. Ok. Ah, putain, je l'avais pas vu, elle. Puisque la grotte à l'ouest... la grotte de l'ouest est si proche de la cité, elle est trop populaire. Elle est à sec. Tu n'y trouveras pas beaucoup de pierres précieuses. Il y a une bien meilleure grotte tout au nord de la cité. Tu devrais aller voir un jour. J'y suis déjà allé, je crois, non? Je sais plus. Bon, faudrait que j'essaye quand même de regarder s'il n'y a pas des Nexomones de ouf. Non. Bon, toi, meurs. Oh la vache, j'ai jamais dû faire autant de dégâts, je crois. Ok, donc Caillou qui va évoluer. Allô? Putain, c'est trop long. Merci. Voilà, il est relativement stylé, mais bon, on savait à quoi il ressemblait, pour le coup. Ok, donc lui, on sait. On sait. Vas-y. Je leur tape dessus, hein, ça fait quand même monter un peu l'XP. Je fais quelques combats et j'avance. Ok, bon, lui, ouais, vas-y, bouge. D'accord. Faudrait que je rattrape un Caprifeu, là, merde. Je me rappelle plus du tout où c'est que je les ai capturés. Ouais. Ouais, ok. On va avancer. Ah, évidemment. Aïe, petite claque. Ok, allez. Ouais. Oh mais attends, il y a une grotte là-haut. Ok. Bonjour. Bonjour l'ami. C'est une bonne grotte minière pour les débutants. Il n'y a pas besoin de belles pierres précieuses. Il n'y a pas beaucoup de belles pierres précieuses dans celle-ci, mais ça vaut quand même le coup. Fais attention aux Nexomones hostiles. Ouais, bah comme d'hab, quoi. Alors. Elles ont rien à me dire, elles. Ouais, souviens de toi, la cité. Ici, extraire les éclats. Il n'y a rien d'impressionnant, mais quand même. J'ai trouvé des pierres précieuses. Décentes. Ok. Que tu procurais un, trouve les roches brillantes et fracasse-les. Moi j'aime fracasser les choses. Bon bah du coup on va aller dans un sens. Ah oui, 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 il me le faut lui. Ne le tue pas, please. Parfait. Ok, donc lui il m'en faut un. Putain, il m'a brûlé l'enculette. Vite. Je sais pas ce que tu aimes. Mange
Mange tes morts. Mais putain. Ok. Nexotrap. Oui, 45%. Ça devrait le faire. Ouais. Parfait. Non, mais tu te fous de ma gueule. En plus, il est immonde, ce Nexomon, très clairement. Allez, vas-y, là, attrape-le, nom de Dieu. Allez. Merci. Donc, je vais pouvoir l'appeler échange 1, du coup. Pour faire la distinction avec l'autre. À part s'il est plus fort, je sais pas. Alors, échange 1. Paf. Nickel. On poursuit. Ah bah elle est là-bas, là, d'accord. Ok, je la vois à l'entrée de la... L'entrée de la machine. Ouais, ça on s'en fout un peu. Putain, évidemment. Voilà, il va me faire une attaque. Oh l'enfoiré, je vais crever. Putain, quel relou. Faut que je guéris, que je guérisse le feu. Tac. Putain, le con, j'avais une pierre là. C'est pas grave. Oh putain, je l'ai pas lui. Ah bon. Eh bien, il faut que ça change. Ok, parfait. Tac. 31%, c'est peut-être un peu short, non? Oh, allez, 31%, c'est presque 100%. Hein. Mais oui, facile. Ou pas. Mais fuck off. Je me régène un peu. Tac. Allez, 31%, c'est facile, là. Allez. Voilà. Parfait. Stockage. Pardon, c'est là que je voulais aller. Putain, il me reste encore des clés, mine de rien. Voûte 4. Des clés pour l'ouvrir. Fuck. Eh ben, baiser, j'ai plus de clés. Bon, bah du coup, je sais qu'il y a une... un truc là, mais putain, pas de clés, le con. Oh, génial. Putain, je l'ai pas en plus, il est méga rare. Si je fais perso, je vais le tuer. Probablement. On va y aller mollo. Ouais, voilà. Je vais même changer, tiens. Et je vais prendre Volt. Oh putain, il est trop beau, Volt, en vrai. Je vais t'électrocuter le cul, mais très très peu. Parfait. Nickel. Par contre, je vais rechanger de poké parce que je suis en train de me faire défoncer là. Loupé. Du coup, Nexotrap, c'est parti. Ça, c'était facile. Oh, c'était tellement simple que je loupe du coup. Allez, rentre là-dedans. Tout ça parce qu'il veut pas que je l'appelle Teddy. Je vais t'appeler Ted. Oh.
Je suis vraiment trop inspiré. Tu vas t'appeler Ted, mon gars. C'est comme ça. Voilà. Parfait. Alors lui, je crois qu'il évolue au niveau... je sais pas combien, donc... On connaît déjà son évolution, mais putain, je sais pas si j'aurai la patience de le faire évoluer. On verra bien. Du coup, est-ce que je continue? Je vais pas continuer, ça sert à rien, hein, c'est perte de temps, là. Merde. Oh putain, c'est un gros sourcil. Tue-le. De toute façon, il peut pas te faire mal si les attaques foudre. Allez, hop. Ça fait de l'XP, facile. Ok. Ok. Merde. Ouais, petit Covid. Aïe, oui. D'accord. Ouais. Faut que je me refasse des clés du coup. D'accord, c'est un putain de cul-de-sac. Attendez. Avant de le combattre, lui, voilà. Voilà. J'ai quand même il raise un petit peu sa vie à lui. Allez, c'est parti. Tu es Gizmo, n'est-ce pas? Eh bien, oui, j'ai entendu parler de ton combat héroïque contre Mulsimer. Bien joué, petit. Du coup, je vais en profiter pour te défoncer le cul, vu que tu es là maintenant. Ouais, maintenant j'invente les... Oh! Fuck! Putain, il nous spoil! Oh, il est tellement beau. Tiens. Ok, petite claque. Tiens, deuxième service. Oh la vache! Pourquoi je tape plus fort? Ah bah oui, je suis niveau 31, lol. Ça c'est nul par contre. Dites-moi dans les commentaires, mais franchement c'est nul. Les mecs ils ont des Nexomon de 3ème évolution quoi, d'évolution finale. Niveau 23 quoi. C'est même pas leur niveau d'évolution, bah c'est nul à chier par contre ça. Alors toi tu vas tellement mourir. Voilà. Aïe, oh il m'a brûlé. Je vais mourir. Au revoir. Putain. Il y a un mec qui s'est mouché dans le... C'est clairement ça, quoi. Je vais jouer... Je joue gros sourcil. Aïe. Plasma. Je suis faible, pas grave, t'es mort. Ah, il en a un dernier, l'enfoiré. Oh la vache, il est tellement beau aussi, lui. Par contre, je vais t'électrocuter, excuse-moi. Voilà. Oh, il m'a démotivé, le salaud. Est-ce que je tanque? Je tanque. Et ça... Putain, ça touche pas. Dommage. Volt. Faudrait que je tanque. Ça tanque facile. Ah, il le tue pas. Quel dommage. D'où il a un autre... Oh la vache. Par contre, là... Ça me fait moyen rire, en vrai. Bon, il est brûlé, mais c'est pas grave, je vais tanker. Perceuse. Ouh, la vache! Il est résistant, hein. Quand même. Ok, bon, toi, tu vas crever. Boum, au revoir. La brûlure qui fait mal, hein, au passage. Ok, deux évolutions.
Allez, c'est parti. La bougie. Bon, on sait à quoi ça va ressembler, c'est plutôt stylé d'ailleurs. Voilà. Il est vraiment trop beau comme ça. Et Volt. Alors, il est assez simpliste, même s'il est super beau. Je suis curieux de savoir à quoi il ressemble. Ah, c'est pas mal. Ah, ils ont foutu des ailes. Putain, bien. Ah, il est joli, ouais. Ah, il est très très joli. Je sens qu'on a notre poké électrique. Ouais. Ah, il a un certain style. Pas se le cacher. Lui, il est beau aussi, hein. Putain. Je vais regarder... Ah, il évolue plus. Dommage. Et notre... chien de l'enfer, là. Ah, il évolue au niveau 32. Ok. Intéressant. Bon, bah, lanterne n'évolue plus. Terminé. Par contre, c'est un cul-de-sac, n'est-ce pas? Oui. Je crois qu'il faut que j'aille au nord maintenant. Bon, tant pis. Faudrait aussi que je me soigne un jour. Oh l'enfoiré. Ah, oh, c'était tellement bâtard ça, madame. Pardon, quand même. Vous auriez pas un truc pour me soigner là? Parce que c'est pas que j'ai mal, mais j'ai mal quoi. Alors c'est là qu'on est pas allé, hein. Mais ramasse ça, putain. Merci. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas un combat qui... Oh, putain. Ça, à tous les coups, ici, les plateformes comme ça, là où il n'y a rien, il y en a plusieurs dans les régions. Ça doit être certainement pour combattre les légendaires, genre Fauna et tout ça, que j'ai pas pu attraper. Je suis sûr que c'est ça. Bon, bah, du coup, c'est bon. Que je revienne sur mes pas. Ouais. Je vais passer me soigner, changer de poké aussi au passage. Parfait. Tac. Du coup, évolution finale. Hungry Fire, qui est vraiment beau. Mais tu vas rejoindre tes copains. Caillou. Lui, à mon avis, il a pas fini d'évoluer. Hein. Je regarde quand même. Si, il a fini d'évoluer, putain. Je dirais, tant mieux, parce qu'il est pas si beau que ça. Lui, par contre, il était pas si beau que ça. Contrairement au Pokéfeu. Les deux autres, ils n'ont pas fini d'évoluer. On va prendre lui. On va prendre lui. Et on va prendre... Ah, du coup, Tartare, on sait à quoi il ressemble. Enfin, on sait à quoi il ressemble, en fait. C'est un peu dommage. Je vais quand même les prendre. Parfait. Donc lui c'est bon, tout ça c'est bon. Faudrait que j'essaye de les faire évoluer eux. Ok. Du coup, attends, je les ai soignés. Apparemment oui, ok. Donc on va aller de ce côté-là maintenant.
Il y en a des trucs qui bougent là. Ouais, par là. Ok. Putain, enfoiré. Bon. Ah! Un petit fistule, lol. Au revoir. Ah, presque. Ah, évolution de la petite araignée. On sait à quoi elle ressemble. Ah, une araignée plus grosse, quoi. Plus grosse et plus dégueulasse encore. Bon. Ok, Caillouman. Aïe. Ok. Donc du coup, Rustu qui évolue. Je l'avais pas déjà, ça. Je l'avais pas déjà, ça. Eh bien, vous savez quoi? Oui, mais non. Voilà. Je l'ai déjà sur Sam, de toute façon. Ah, il évolue pas. Ah bon. Eh bah, vas-y, n'évolue pas. Hein. Fais comme chez toi. Vous cassez les couilles avec vos trucs, là. Ah! Aïe. Putain, j'étais persuadé qu'il évoluait au niveau 32. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas lui? Comment ça? 33, pardon. Ok. D'accord, donc ça, j'y suis déjà venu ici, visiblement. Ah, putain, évidemment. Ok, Covid-aid. Au revoir. Mais où est-ce que j'ai vu encore des mecs gelés, moi? Je suis sûr qu'il n'y avait pas que. Hein. Par ici? Ah non, là, c'est la putain de grotte. Ah, merde. Par là, alors? C'est bizarre. Ah non, hein. Oh, mais j'en avais pas vu qu'un. Merde, putain, ils sont où? Réfléchissement, Jean-Pierre. J'ai dû louper une... J'ai dû louper quelque chose. Séparer de la migale. Ouais. Je me sépare de la migale. Est-ce que je me sépare de vol machin? Ouais. Je me séparer de lui et je vais faire évoluer ces deux-là. Voilà. En vrai, faut que je fasse évoluer gros sourcil aussi. Hein. Putain. Je vais le passer. Ouais. Bon.
J'ai certainement loupé quelque chose. Où est-ce que je ne suis pas allé? Là? Ça me dit quelque chose. En bas. Ah bah tiens. Voilà. Yo. Excuse-moi, je t'ai oublié. Ah, tu m'as sauvé. Bon sang, ce monstre de Nivalis m'a gelé en un clin d'œil. Tiens, Gizmo, c'est pour toi. De l'argent. Oh putain, la vache, 300 pièces. Je vais retourner à la cité. Toute cette histoire de chasse aux tyrans, c'est pas pour moi. Tu m'étonnes. Ah, il me semble qu'on ait trouvé tous les dresseurs. Putain, il y en avait que deux. Retournons à la cité, Gizmo. Parfait. Tiens. 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 Parfait. On est bon. Putain, il casse les couilles, lui. 39, pas mal. Dommage que ça paralyse pas au passage. Oh la vache, il tape dur, lui, hein. Ok, niveau prochain, j'ai un gros sourcil qui évolue. C'est pas très efficace. Aïe 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 aïe. Est-ce que je peux l'endormir? Putain la vache. Oui, non. Il est mort avant, lol. Bon. Je vais aller rendre la quête. C'est où? C'est là. Eh, monsieur le maire, j'ai décongelé les gens. Incroyable, tu as trouvé tous les dresseurs disparus. Je pourrais certainement utiliser un dresseur de ton calibre à l'avenir. Alors, en échange de notre amitié, prends ces superbes cadeaux. Ouais, enfin, superbe, vite fait, quoi. Bon voyage, Gizmo, tu seras un jour très utile. D'accord. Mais quel enfoiré. Bon, bah voilà. Journal. Faudrait que je fasse ça, en vrai. Allons-y, retournons à la toundra gelée. Et je pense qu'on fera la grotte de la toundra gelée, enfin la mission là, au prochain épisode. Mais j'aimerais, si possible... combattre quelques personnes. J'aimerais faire passer mes niveaux en fait, avant de se quitter. Y'a pas quelqu'un là. Eh, monsieur. Oh, c'est encore toi, le dresseur qui m'a battu la dernière fois. Battons-nous à nouveau, je n'abandonne pas si facilement. D'accord. Ah oui, mais je vais tellement te niquer. Tiens. C'est super efficace. Oh la vache, tape dur par contre. Au revoir. Ouais, là par contre, Caïminus fait quelque chose. D'accord. J'ai quoi déjà comme... C'est plus rapide. Faisons ça. Ok. Je vais te cramer l'oignon, toi. Ah ouais, tu persistes, t'es comme ça toi. Bah tiens alors. Oh putain. Ah, flamme. Voilà. Ouais, si tu veux hein. Ouais,
rater. Eh ben parfait. Gros sourcil, je te laisse gérer ça. Putain, il a plus beaucoup de vie, hein. Aïe 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 aïe. Voilà. Bombe électrique. Elle est tellement classe cette attaque. Ah, je suis empoisonné. Non. Oh, 10. Oh, le poison dans ce jeu, il est violent, quoi. Oh la vache. Ah, évolution de Orensan. Bon, on sait à quoi il ressemble, mais bon. Il est plutôt joli d'ailleurs. Voilà. Sympa. C'est pas juste. Quel est ton secret? Bah rien. Mage hot ou win, en gros. Putain, je peux pas attraper ça. C'est con. Ah fuck! Oh, l'enculé, il est encore là, lui. Oh le bâtard. Vite. Au secours. Tartare. Raté. Griffe de feu. Oh, 51, quoi. Ok. Deuxième service. Voilà. Oui, là par contre, ça va pas être la même. Ok, je vais tanker avec Kaiminus. Faut que je traite le poison aussi. Si je t'empoisonnais, tiens. Ça a échoué. Du coup, je vais essayer de te geler. Je peux pas le geler, merde. D'accord. Aïe. Ouille, aïe, ouille. Tiens. Saloperie. Allez hop. Ah merde. Putain, c'est pas... Ah, je suis confus, fuck. Casse les pieds, ça. Ok. Putain, douce et efficace. Ah merde, oui, c'est vrai, le feu... Oh, putain, ah. Bouleman. Ah bah, t'es comme ça, toi. Ok. Tiens. Oh putain, il tank. Non. Ah, c'était juste ok, pour me baisser ma précision. Kaiminus. Bon là, je devrais le finir facile normalement. Ah, il esquive. Mais comment un gros tas comme ça peut esquiver, putain. Voilà, 42, 34. Et hop. Tartare qui évolue. Kaiminus qui évolue. Gruit trop cuit qui évolue. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Qu'est-ce que j'avais bu à cette époque? Bon, toi, on sait à quoi tu ressembles, malheureusement. À tout le monde, en fait. Ah, il a une bonne bedaine, j'aime bien. Lui, il est stylé, mais un peu moins, je trouve. Il perd en charisme avec sa cape. Ah, il est charismatique, mais oh, pourquoi il a une cape, je ne sais pas. Et lui, lui ça va. Ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Voilà, un gros costaud, quoi. Ouais, je suis désolé, épargne-moi, au secours, voilà.
Ah putain, un deuxième service? Oh, fais chier. Ouais, je vais aller... Bon. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? C'était pas... Oui, avant de se quitter, je voulais faire évoluer Gros Sourcil, en fait. C'est ça que je voulais faire. On va regarder si j'y suis près du but. Merde, qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça va commencer à faire une grande vidéo de farm. Bon, on aura quand même fait pas mal de trucs, mine de rien. Ah, il est quasiment évolué. Allez, il est quasiment évolué. On va aller se taper le... Le bandit. Ça devrait le faire. Attendez encore un peu. Patientez. Patientez. Tic, tac, tac. Non! Ouais. Toi, je t'ai déjà, mon bat les couilles en vrai. Toujours tout droit. Et bonjour. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il me spot une case avant. Bla 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 bla, je te défonce. Oh! Au revoir. Putain, je suis gelé, mais tu te fous de ma gueule. Est-ce que ça va durer qu'un tour? Non. Putain, je vais avoir le temps de me faire bolosser. Non, c'est bon. Ah, deuxième service. Qu'est-ce que c'est que cette malchance? Oh, et je suis 5 confus. Putain. D'accord. Et moi aussi, c'est super efficace. Bon, par contre, on va y aller mollo, hein. Raté. Aïe. Putain. La confusion qui casse les couilles. Deux fois d'affilée. Bon. Ah, c'est même pas une vraie cape. Lol, elle est fendue dans le dos. Mais c'est nul. Bon. 65. Au revoir. Ok. Ah, raté. Bon bah toi, je vais te finir, hein. On n'est pas à ça près. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il a lui, il est trop beau lui. Raté. Bam, au revoir. Bam, au revoir. Putain, facile. Bon, bah voilà. Putain, je l'ai rayé de la carte. Et Gros Sourcil qui évolue. Oh, et qui gagne. Oh, qui gagne un super truc. Oh, ça a l'air d'être fort. Ça a l'air d'être surtout pas rapide. Et la paralysie seulement 10%. Je peux pas me séparer de plasma, c'est fort. Je peux pas me séparer de Chrysonic. Est-ce que je me sépare de augmente l'attaque? En vrai, j'ai une super grosse attaque électrique avec pas mal de vitesse qui coûte pas trop cher, ça va encore. Franchement, ça vaut pas le coup. Je préfère garder ça si jamais j'ai l'opportunité de faire monter un peu mon attaque. Non, allez. Crissement. Diminue l'attaque. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. À la place de ça. Oh, allez, me déçois pas, parce que là vraiment il était tellement beau. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, il a perdu quelques points de charisme. Ah, il est beau quand même, mais il a perdu quelques points de charisme. Dommage. Bla 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 bla, tu vas me le payer, et c'est ça, au revoir. Bon. Eh bien les amis, j'espère que ce petit épisode de farm vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like pour le soutien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre la cloche si mon contenu vous plaît. N'oubliez pas le lien du Discord sur la page d'accueil de la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Allez, salut. On va sauvegarder. On va sauvegarder avant de faire le con. Oui, je veux écraser ta mère. Voilà. Allez, salut.